Vous avez vu la dernière, les gars? C'est incroyable. Mais s'il te plaît, Mathias, filme avec un iPhone, qu'est-ce que t'as? Oh là, oh là, c'est quoi ta qualité, Mathias? C'est bon, on a compris que Pogba ne vous aidait pas, on a compris que vous étiez en galère. Oh là, c'est bon, prends un iPhone, n'abuse pas aussi. On dirait qu'il veut nous faire passer un message. Regardez, les gars, regardez, j'ai un Wiko, mon frère ne paye même pas un iPhone. Oh là, prends une bonne qualité. En plus, tu parles doucement, on n'entend rien. T'as des révélations à faire, mais tu parles doucement dans la vidéo. T'es là avec tes 1000 papiers dans la main. On dirait que tu passes un exposé. Voilà, on dirait un collégien qui passe au tableau sur la vie de ma mère. C'est un truc de fou. Voilà, Mathias. Et depuis là, depuis quelques mois, t'es là. Vous allez voir les révélations. Parle! Parle, Mathias! Qu'est-ce que ça nous rend fou là? Vous allez voir bientôt, bientôt. Quoi, bientôt? Parle! Les gars, Mathias Pogba, Mathias parle. On fou! Voilà, tu nous rends dingue! Il abuse, Mathias Pogba, les gars. On dirait qu'il fait des vidéos avec un iPad. Oh là, c'est quelle qualité son téléphone? C'est un Ouigo, les gars. Tout ça pour dire, regardez, Pogba, il nous aide pas, les gars. Il nous laisse en galère. Pareil, il a un petit t-shirt Célio. Tout simple. C'est bon, on a compris. Oh là, t'en fais trop. Mais sérieux, ça va loin, les gars. Oh là, que ça va loin. Et les accusations. Donc, déjà, il a confirmé pour les histoires de Marabout. Les amis, s'il voudrait mentir sur son frère, il n'aurait pas inventé une histoire pareille, les gars. Il n'aurait pas inventé une histoire aussi farfelue. Ouais, Pogba jetait un sort à Mbappé. Les gars, ça s'invente pas, ça. Wallah, que ça s'invente pas. C'est tellement ridicule à raconter que c'est pour moi, c'est sûr que c'est vrai. Wallah, les gars. Eh, ne croyez pas que ce soit les grands joueurs, les politiciens. C'est eux qui vont le plus voir de marabouts. Ils vont voir des voyants. Ils vont voir des hypnotiseurs. Wallah, les gars, c'est eux les pires. Hein, ne croyez pas. Comme ils sont arrivés au sommet, ils pensent que c'est grâce à leur marabout, leur voyant. Alors que rien à voir, c'est juste leur talent. Rien. Le début de la polémique, je vous ai dit que je ne tombais pas dans la facilité. Ouais, Mathias Pogba, il est jaloux de son frère et tout, c'est pas si simple. Là, ce que dit Mathias, c'est que Paul Pogba, apparemment, il a des amis d'enfance. Certains sont des cramés. Certains sont des voyous, les gars. Et c'est Paul Pogba lui-même qui le raconte dans son documentaire. Et apparemment, Paul Pogba. À plusieurs situations, il aurait fait appel à ses amis d'enfance voyous pour lui rendre des services. Et moi, ma théorie, les gars, c'est quoi? C'est que Paul Pogba a fait appel à ses amis d'enfance contre de l'argent pour lui rendre certains services. Genre aller casser la gueule à quelqu'un, aller récupérer des sous là, aller donner de l'argent à droite, à gauche, de la protection. Et Paul Pogba, il a disparu du jour au lendemain. Moi, je pense ça. Donc les voyous, quand tu leur dois de l'argent et tu disparais, ils vont te demander l'argent à qui? À la famille. Donc moi je me dis que les voyous sont allés voir Mathias Pogba, lui ont réclamé l'argent que lui doit Paul Pogba. Donc Mathias a envoyé des messages à son frère. Paye, paye, paye. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ma version, les gars. Je pense que Paul Pogba, il est resté longtemps en contact avec certains amis à lui voyous. Il leur a demandé des services en échange d'argent. Au fur et à mesure, ça s'est accumulé en argent et Pogba, il a disparu. Du jour au lendemain. Genre, il n'a plus donné de nouvelles, il n'a plus répondu au téléphone. Donc eux, ils s'en sont pris à Mathias Pogba. C'est pour ça que Mathias Pogba, il dit, je me suis retrouvé dans un ravin, dans un trou, t'es pas venu me sauver. Donc pour que Paul Pogba les paye, ils ont pris Mathias en otage. Les gars, c'est simple. Si toi, demain, tu dois de l'argent à tout le monde, à plein de voyous, et tu disparais, les voyous, ils vont aller voir qui? Ils vont aller voir tes frères, ils vont aller voir tes sœurs, c'est logique. Donc moi, je pense que les voyous sont allés voir Mathias, et que Mathias a mis la pression à son frère. Paye-les, Paul, paye-le-les, qu'ils nous laissent tranquilles. Moi, je pense ça, les gars. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais sur la vie de ma mère, je le sens trop comme ça. Voilà, Paul Pogba a demandé des services et il a disparu. Il leur doit de l'argent et ils s'en prennent à Mathias et Mathias s'en prend à Paul. Voilà, les gars. Je vous ai dit, les gars, quand j'ai du Zeyo, je me prends du Zélis. Regardez-moi l'ensemble. L'ensemble Drake, les First, les New West, tout ça. Là, je prends les blancs. T'as les seuls jeans. Je me. Là, extra. Les bleus. Les fois le site, tous ceux qui je vais dire, oh là là, il serait le after, yes, exactly. But it's too yes, when much, huh? I'll reduce, it's okay, okay. Yes, when you feel it's constant, yeah, now and after, yes, exactly. But it's yes, too when much, huh? I'll reduce, it's okay, okay. Yes, when you feel it's constant, yeah, now it's pulsing. You can relax. So in between your first episode, when the constant electricity starts, you're gonna do extensions. Okay. External rotation and a little bit of